Salut à tous, nouvelle vidéo découverte sur Zombie World Revenge Journey. Alors cette fois-ci, on va jouer un jeu que vous connaissez peut-être déjà, c'est Plants vs Zombies. Mais là, c'est un jeu qui est disponible sur Microsoft Store. Et on va découvrir ensemble ce fameux jeu. Alors, il a été créé, hein, il a été créé et développé par PopCap, hein, bien entendu. On est sur la version actuelle, la version 10.25 des bugs, comme vous pouvez le voir ici, bien entendu. Et on va commencer à jouer, tout simplement, hein. Alors, let's go, start taking risk, play minigame. Vous voyez, on peut quitter, on peut sélectionner, hein. Voilà, retourner dans le jeu, hein. On peut retourner dans le jeu, hein. Help pour les aides, hein. Plein de vaisseaux game help, blablabla, machin, etc. Voilà. Ok, voilà. Donc play midi game, il y a aussi. Et il y a start taking risk. Alors. Donc vous avez. Attendez, ce que je demande, moi, c'est quoi? C'est ça, oui. Voilà, alors. Alors déjà, il n'y a pas de son. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de son, mais bon. Alors. C'est écrit en japonais! What? Alors, on va le prendre. Tata! Alors. Petit soleil. D'accord. Alors déjà là où je suis surpris, c'est que c'est écrit en japonais. Mais je veux pas le jouer en japonais, moi. Je suis pas un petit japonais à la con, moi. Donc on va acheter la deuxième. Tac. Voilà. Oh mince, le mec il est décédé. Oh zut alors. Bon ben cervelle, hein, c'est tout. Hein. Alors c'est un peu dommage parce que regardez. Bon, c'est pas le jeu original, hein, ça je vous le dis clair et net. Le soleil vient de tomber, mais vous pouvez même pas le récupérer. Vous savez, regardez, vous faites ça, tac. Ah oui, j'ai compris. En fait, chaque fois que vous le touchez, vous allez aller sur le soleil, vous allez directement le prendre. Alors que dans le jeu de base, il vous donne. Regardez, tac. Voilà, je l'ai, tac. Ok, alors ce qui est dommage, c'est que c'est écrit en japonais. Moi, le japonais, ça fait deux, je vous le dis clair et net. Moi, j'aime pas. Bon, je sais pas si c'est du japonais, du chinois, du coréen, j'en ai pas la moindre idée. Hein, voilà, donc là on va avoir une invasion de petits zombies, hein, de très vilains zombies. Hein, donc vous voyez, alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de son. Ça me paraît un peu bizarre. On peut retourner. Ah voilà, d'accord. Donc vous voyez, hein, c'était vraiment très simple. Voilà. Donc là, attends. Donc ça c'est la tournesol. Ça nous permet de récolter le. De récolter d'avoir des soleils, hein, tout simplement. Donc là on a des petits zombies, hein, rien de méchant. Voilà. Donc là, on prend ça, tac tac, ok. Voilà, donc là c'est vraiment pour récupérer du soleil. Hein. Donc ça c'est lui qui nous donne tout cela. Alors, bien sûr, on peut toujours acheter d'autres soleils, mais le problème c'est qu'il nous faut un petit personnage, puisque il va y avoir un zombie qui va arriver, et ça on n'en veut pas. Simplement, voilà. Alors on attend. Pourquoi il veut vraiment que j'achète ça, ce corbeau? J'achète ça, hein, vas-y. Voilà, oui, vas-y. Tac, ok, tac, on achète ça. Voilà. Tac, ok. Ah oui, il veut que j'achète pour avoir les trois. D'accord. Ok, tac, comme ça, il me fout la paix. On a les trois tournesols. Je vais avoir de l'argent. Et comme ça, je serai tranquille. Tout simplement, voilà. Alors le but, bien entendu, c'est pas de s'entourer que de tournesol. Le but, c'est aussi d'avoir plein de vilains petits personnages, hein, tout simplement. Voilà, donc ce qui est. Alors déjà, il n'y a pas de son, donc je vais regarder pour avoir du son, hein, bien entendu. Donc là, on est au niveau 1 sur 2, donc c'est déjà pas mal, je vous le dis clairement. Et non, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, donc là on attend d'avoir un autre, comme ça, bah, tac, tac, j'achète, tac, tac. Voilà, encore un autre, et comme ça, bah, on pourra acheter d'autres vilains personnages. Comme ça, on sera tranquille. Alors, il y a quand même une. On sent qu'il y a quand même une différence par rapport au jeu traditionnel, déjà. C'est que les tournesols, normalement, elles doivent éclairer, donc elles vont sortir. On voit qu'elles vont. Donner un soleil, mais là c'est pas le cas du tout. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, on peut pas non plus être partout tout simplement. Hein. Alors vous voyez maintenant le niveau il baisse dans le jeu original. Vous avez autre chose,
Il va vous donner, il va charger, il va y avoir un petit temps de chargement. Mais c'est très intéressant tout cela. Voilà, donc là on attend que les soleils nous donnent des petits soleils là. Tac, tac, voilà, tac, tac, voilà. Et comme ça, bon, on pourra continuer le jeu au fur et à mesure, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va essayer d'augmenter hein, pour être tranquille. Voilà. Donc là, il y a une invasion de zombies qui arrive. Hein, tout simplement. Donc là, tac. Voilà, tac. Comme ça, on sera tranquille, tout simplement. Alors, vous voyez, c'est vraiment une petite invasion. Là, c'est normal parce qu'on commence le jeu. Mais normalement, il faudrait qu'on en ait beaucoup plus. Donc, vous voyez, là, c'est juste un vilain personnage. Hein. C'est vraiment une toute petite invasion. Ça n'a rien de spécial. Voilà. Donc là, tac, tac. Voilà. Ah, là, on reçoit quelque chose. Ah, les cerises explosent. Les petites cerises qui explosent. Hé. Pas mal. Alors. Ce qu'on va faire, donc on va continuer ça bien entendu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, déjà ce qu'on va faire, on va déjà installer ça comme ça c'est fait. Déjà et on va installer un tac. Ok, voilà, on installe ça. On va installer des tournesols, hein, comme ça on sera tranquille et ça on aura la paix. Alors déjà pour le moment on a un petit zombie de rien du tout. Hein. C'est vraiment un jeu d'enfant. Hein. Voilà, donc c'est vraiment des toutes petites invasions à gogo. Mais cela n'a rien de spécial. Tout simplement. Voilà, donc là, hein, c'est. Donc là on met, hein, on va pas s'embêter. Donc là, on a trois tournesols, c'est déjà pas mal. Bien sûr, on va essayer de continuer et avoir tout ce qu'il nous faut pour. On va essayer de mettre des petits personnages là. On attend juste que un des zombies arrive, parce que si je le mets là et l'autre il arrive là, je suis un peu dans la merde. Voilà. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Voili, voilou. Donc on attend le dernier soleil, une petite attaque de zombies pas méchante du tout. Tac, tac, voilà. Et comme ça, on est tranquille. Alors, donc. Alors, tac. Ok, ça c'est pareil, on va envoyer cela. Donc on est niveau 1, niveau 1 sur 3, hein, ça bien entendu. Ça, il n'y a rien de spécial. Donc, alors, le jeu, donc le zombie, ben, il est mort, hein, ça c'est clair et net. Le jeu est. Moi j'aime beaucoup ce jeu, ce plan de les zombies, c'est très intéressant, c'est un jeu très simple. Ça n'a rien de compliqué, ça n'a rien de compliqué, hein, c'est un très très bon jeu, moi j'aime beaucoup ces jeux-là. Des jeux avec des zombies, cervelle! Voilà, c'est vachement bien, moi j'adore ces trucs-là, c'est génial, c'est que du bonheur, comme on dit. Et c'est ce qu'il y a de mieux, comme on dit. Voilà. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est la langue écrite en japonais. Vous auriez pu le mettre en anglais, en français, en chinois, en allemand, ce que vous voulez, je m'en fous, mais tout sauf ça, quoi. Parce que c'est pas tip-top. Voyez, valou. Tac. Ok. Voilà. Alors, on va essayer de toujours faire 3-3-3, hein, comme ça, ben. On sera tranquille. Tac, 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 voilà. Et là maintenant on est tranquille pendant un certain temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que bah on va finir hein, cet événement avec là-dessus, comme ça bah, on sera tranquille. Hein. Voilà, donc une invasion de zombies arrive. Alors je pense que ça sera vraiment la petite invasion de comme avant. Hein, avec trois zombies qui arrivent seulement et l'affaire est faite. Et cela n'a rien de spécial. Ah, si, il y a quand même un peu plus cette fois-ci. Ouais, bon, ça va. Il y a un peu plus que d'habitude, mais bon, voilà. Il n'y a rien de spécial, quoi, tout simplement.
Donc là, on va essayer d'avoir le. Ah, regardez, on va utiliser la bombe cerise. Oh, ils sont morts. Oh, qu'est-ce que c'est cela? You've got a new plant. Alors ça, c'est la pomme de terre qui permet de bloquer les personnages, tout simplement. Voilà. On peut pas? Ah bah merde. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour cet épisode découverte, on va s'arrêter ici et on continuera demain pour la suite de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Le lien de la page Facebook se situe dans la description. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur Zombie World Revenge Journey épisode 1. Abonne-toi. Ciao!